et dans le temps de Retrocan, c'était le lapin blanc qui caramélisait les noix de cajou et qui faisait fondre les amandes. Et dans Mille éclats, c'était le gentil chamois qui mélangeait le nougat avec le chocolat. Et c'était la petite marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. Oui. Mais bien sûr. Mille éclats et tendre croquant, des nouvelles croustillantes de chez Milka. Milka, tendrement chocolat.